Depuis le 11 septembre, maintenant, nous dicte notre souffrance. Tu n'es plus libre de souffrir pour qui bon te semble. Excusez-moi, c'est à quoi que je pense au 11 septembre, j'ai toujours un sourire en coin. Je pense à l'autre con, Ben Laden. Non, il est drôle, Ben Laden, au bout d'un mot. Non, en fait, Ben Laden, regarde, ça fait maintenant 8 ans qu'il envoie tous les 6 mois une nouvelle vidéo de lui. Limite, les gens, quand ils voient Ben Laden à la télé, ils sont là, « Ah, la nouvelle saison d'Oussama !» Il est plus attendu que Prison Break, cet enfoiré, je te jure. Et qu'ils aillent se faire foutre, Al-Qaïda, c'est des terroristes. Ils sont malades ou quoi? Ils se prennent au sérieux? Faut pas avoir peur de ces gens-là, sans déconner. Je dis ça parce qu'il y a quelques années, ils avaient fait un attentat à Londres. Ils avaient osé le signer Al-Qaïda, Europe. Europe. Les mecs se sont pris pour une multinationale. Dans ce cas, ça veut peut-être dire qu'il existe Al-Qaïda, Dom-Tom. Et moi, personnellement, je suis assez curieux de les voir, quand même. Des terroristes entiers, je veux voir ça avant de mourir, c'est important. Non, vraiment, les mecs, ça doit être... Bon, bah, Joël, ça y est, on a mis la bombe, hein? Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, bah, Joël, on va peut-être y aller parce que la bombe va nous péter à la gueule, hein? Attends un peu quand même, hein? Joël, on va prendre un petit ponce coco? Bonne idée, frère! C'est ça qu'il fallait me dire. Après, on va les zouker direct. Tu veux mon zizi? Oui. Je vais te le donner, oui. Tu veux mon zizi? Je vais te le donner, oui. Tu veux mon zizi? Tu veux mon zizi? En 2009, tu veux mon zizi? Mais comment l'inspiration lui a arrivé? Mais le mec était aux toilettes, c'est obligé. Mais bien sûr, il était là de... Mais évidemment! Évidemment! Il était là depuis le début. Mon zizi. C'est très grave. Et là, c'est la fin du monde, mais vous vous rendez pas. Tu veux mon zizi, normal, à la radio, quoi. Et tout de suite, tu veux mon zizi, non. Là, j'ai beaucoup de respect pour les gentils, en plus. Puis c'est grâce à eux qu'on a eu Harry Roselmack, quoi. Et je vous jure, l'année dernière, pendant la période des grèves aux Antilles, j'ai eu trop peur qu'ils partent en couille pendant le 20h de TF1. Je te jure, t'étais... Libère la Guadeloupe! Oui, je vous ai menti, c'est ma vraie voix depuis 5 ans, oui! Oui! Libérez la Guadeloupe! Lâche-moi, Claire Chazal! Je vais te mettre un accra dans le vagin, tu vas comprendre. Foutez-nous, on veut de l'argent! On en a marre de manger du boudin! Du boudin, matin, boudin en lait, midi, boudin salade, soir, boudin Nutella, je n'en veux plus du boudin. Entre nous, comment on fait pour bouffer un aliment qui s'appelle le boudin? Non, on est bien d'accord que le mot est dégueulasse. Pourquoi pas bouffer du caca pendant qu'on est là? C'est pour ça qu'ils sont faux aux Antilles. Oh, j'ai été trop loin là. Oh, j'ai parlé de boudin, c'est patrimoine culturel. J'ai gagné, là, j'ai Al-Qaïda Dom-Tom sur le cul. On m'attend à la fin du spectacle. Tiens, c'est des cassaves. Non, ça va. Mais si, tiens, écoute. Je vais le mettre dans ma voiture. Tip. C'est des piégés. Pas. Oh, la mort nulle, mon Dieu. Oh, l'enterrement à 2 balles. Il est mort comment? Il a écouté. Avec mon père devant le cercueil, non, je suis déçu. Non, il écoutait du zouk, il mérite de mourir, vraiment.